Stéphane Dubé, préparateur physique au centre Perform Plus à Beaubriand. La journée aujourd'hui consiste beaucoup à créer une unité à l'intérieur des préparateurs physiques et au Québec. C'est important pour nous autres, pour Hockey Québec aussi, d'uniformiser la préparation, dans le sens où il y a beaucoup de bons préparateurs physiques au Québec. C'est intéressant d'interagir entre nous autres, d'avoir une base aussi qu'on peut travailler, qui va être commune pour tout le monde dans le développement. Il y a beaucoup de très bons préparateurs physiques au Québec. Puis c'est le fun aujourd'hui au niveau de la journée parce qu'il y a plein de gens super intéressants. C'est tous des passionnés. Fait qu'il y a beaucoup d'interactions qui fait que ça rend la journée bien intéressante pour tout le monde. Tu sors d'ici avec des idées, parce qu'on a tous des réalités différentes. Donc oui, on travaille, on est tous des préparateurs physiques. Il y en a beaucoup au niveau des structures intégrées, mais on a souvent tous et chacun des réalités différentes. D'interagir entre nous autres, ça donne des idées à tout le monde. Mais aussi, c'est intéressant de créer un programme où il va y avoir une reconnaissance au niveau des préparateurs physiques, parce que souvent, tout le monde dit que la préparation physique, c'est super important, puis que ça a un rôle très important, mais les gens ont besoin de reconnaissance aussi pour bien appliquer les principes de progression, parce qu'on est, on veut pas, on interagit avec des jeunes, tu sais, atom, puis oui, bantam, midget. Fait que c'est important qu'il y ait une certaine standardisation au niveau des concepts d'entraînement. Puis Hockey Québec a fait un excellent travail là-dedans pour donner les outils vraiment aux préparateurs physiques afin de pouvoir développer le maximum de jeunes.